Salut à tous et merci de regarder cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'Android et on va parler de son Surround. On va parler de double connexion Bluetooth, ce qui veut dire que à partir de votre smartphone, le Galaxy S8 ici équipé d'Android 8 expérience 9, vous allez donc pouvoir partager le son sur deux casques audio en Bluetooth par exemple, ou sur deux paires d'enceintes en Bluetooth, ce qui veut dire que vous allez d'autant plus augmenter le son, faire du multi-room avec votre Galaxy. Merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait, et à tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors tout de suite, ce que l'on va faire, on va déjà connecter nos enceintes. Et pour ça, avec notre Galaxy, on va aller dans les paramètres de connexion et les paramètres Bluetooth. On y va tout de suite. Volet des notifications. Paramètres. Connexion. Wi-Fi. Bluetooth. Bluetooth. Activé. Une fois que on a ouvert les paramètres Bluetooth. Tout en haut à droite de votre smartphone, vous avez Options supplémentaires touche. options supplémentaires. On va ouvrir. Affichage des éléments à 5 sur 5. À ce moment-là, vous avez une nouvelle fenêtre qui s'ouvre et le premier choix est Double sortie audio. double sortie audio. Ce qui veut dire que deux personnes qui auront un casque Bluetooth pourront partager leur musique en même temps. On va aller donc l'activer. Double sortie audio. Désactiver interrupteur. Activer. Et voyons ce que cette double sortie audio peut nous proposer. Vous pouvez émettre le son de votre téléphone sur deux périphériques Bluetooth différents. Il se peut que les deux périphériques connectés produisent une sortie sonore légèrement différente. Une fois ceci activé, on revient en arrière. Et on va connecter nos appareils. On a donc ici une enceinte Bluetooth que je vais allumer. Et derrière, on a donc une paire d'enceintes Bluetooth qui là aussi va permettre d'être jumelée. Un périphérique Bluetooth est connecté. On vient de connecter cette enceinte qui est déjà d'un très bon son. Périphérique Bluetooth est activé interrupteur. Un périphérique Bluetooth est connecté. Si vous avez des questions ou rencontrez des difficultés lors de l'utilisation du Bluetooth, contactez-nous. Point. Périphériques appairés. Tribix Go connecté pour appel immédiat. Qui est connecté et on va aller chercher un deuxième périphérique. Jean Wireless. Et ici, je vais connecter ce périphérique qui est en fait deux enceintes qui vont se connecter en même temps. Volume musique, 60%. Double appui pour activer. Alors, si vous entendez un écho, Jean Wireless connecté et son du contenu multimédia. Paramètres de l'appareil touche. là, vous entendez que trois haut-parleurs sont en marche. C'est énorme. Accueil. On va aller donc mettre un peu de musique pour voir l'ambiance que ça va donner. Les musiques à écouter. Activité récente et tout lire en mode aléatoire. Page 3 sur 1000. Commande de volume masqué. Écran éteint, sonnerie sur vibreur. Débarque dans le club accompagné de Nuttall. La classe de Brad Pitt, normal que ta femme. Là, ça donne vraiment un super son. Still hear your voice when my dream.
Alors ça donne vraiment un super son, un super rendu, et votre smartphone se transforme vraiment en un vrai jukebox. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura montré que sous Android, actuellement, de grosses possibilités sur le Galaxy S8, S9, Note 9, Note 8, ces possibilités existent. Avoir une double connexion Bluetooth, c'est vraiment génial. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura donné envie de partager, de liker et de vous abonner à la chaîne. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!